Buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan en lo presencial y en lo virtual en esta conferencia de Viva Frida. Bonjour à tous nos amis qui nos acompañan ces jours-ci, en presencial et en virtuel, pour la conférence Viva Frida à Alger, le mercredi 14 octobre 2020. On a le plaisir de compter avec la présence de son Excellence, M. Gabriel Rosensoy, ambassadeur du Mexique en Algérie, avec l'amitié et l'accueil aussi du président de la Fondation culturelle ACELA, Dr. Osin ACELA, pour la conférence dictée par l'anthropologue et historienne d'art et aussi très bonne amie du Mexique, Madame Barcaum Ferrati. Je passe la parole à Son Excellence Monsieur Gabriel Rosensoy pour une salutation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de pouvoir vous adresser la parole. En premier lieu, j'aimerais remercier le professeur Osin ACELA pour nous accueillir ce matin, pour avoir répondu avec grand enthousiasme à la possibilité de rendre un hommage à Frida Kahlo, une des grandes artistes mexicaines, je dirais, une des grandes artistes universelles du XXe siècle. Merci beaucoup, professeur ACELA. C'est un grand honneur pour moi de me rendre à votre fondation. Je vous félicite pour le travail de diffusion culturelle que votre fondation fait. Et bien sûr que j'aimerais d'une façon très particulière saluer la Madame Barcaum Ferrati, notre conférenciste de ce matin. Madame Ferrati est une grande amie du Mexique. Et je la connais presque depuis mon arrivée en Algérie. Et je suis très content, très honoré que la et accepter nous offrir aujourd'hui une conférence sur Frida Kahlo. Merci, Barcaum. Merci. Nous avons l'immense privilège et le bonheur d'accueillir au sein de notre fondation culturelle ACELA Ahmed Derebah, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Mexique, accompagné du Consul attaché culturel du Mexique. Nous sommes ravis à l'idée d'enrichir nos activités culturelles avec l'exposition d'une des plus grandes artistes peintres que le monde ait connu, et dont la notoriété a dépassé les frontières du Mexique pour atteindre une portée universelle. Madame Frida Kahlo a marqué son histoire de l'art par ses œuvres poignantes et ses autoportraits bouleversants. En se mettant elle-même en scène, elle exprime sa souffrance. Elle a subi, après un grave accident de circulation, plus d'une quarantaine d'interventions chirurgicales. En regardant ses toiles, on ne peut s'empêcher de penser au poète Louis Aragon qui disait dites ces mots, ma vie et retenez vos larmes. Aussi, nous attendons avec beaucoup d'intérêt la présentation de notre amie Madame Barcaum Ferrati. Voilà. Le but de cette fondation, c'est de rendre hommage à M. ACELA Ahmed, qui était assassiné le 5 mars 1994 à l'École nationale supérieure des beaux-arts, dont il était le directeur. Son fils, étudiant dans cette même école, a couru lui porter secours, a également été assassiné. Donc, cette fondation a été créée pour promouvoir la culture en général et les arts en particulier. Merci de m'accueillir dans cet bel espace culturel qui est un grand plus pour l'Algérie et pour la culture algérienne. Le projet de parler de Frida Kahlo, c'est une rencontre avec des personnes qui m'ont permis d'être là et puis de rencontrer cette grande personne, l'artiste peintre Frida Kahlo. Je ne peux oublier et je ne peux omettre de ne pas parler d'une personne qui m'a permis d'être là et qui m'a permis de connaître et de rencontrer Frida Kahlo,
c'est Ricardo. Ricardo qui est le directeur du Centre culturel universitaire d'Alger. C'est grâce à lui et grâce à sa présence pendant une période un peu compliquée, une période complexe de l'Algérie pendant l'année 2019, qui est une année, une belle année pour l'Algérie, qui lui a permis d'être dans un renouveau et un sursaut. Et le 8 mars également, qui est un événement qui est arrivé au même moment de cette année de 2019, qui a été une année mémorable pour les Algériens. Je peux dire le Hirak, sans avoir à en parler de cet événement important pour l'Algérie. Et donc cette évocation du 8 mars a été un moment d'évocation de toutes les femmes algériennes, de toutes les femmes africaines. Et la présence de Ricardo, cet amoureux, cet Algérien d'adoption, qui est aussi, comme je disais, directeur du Centre culturel universitaire, le CCU, nous a permis de rentrer dans une autre dimension universelle de celle d'une artiste-peintre, Frida Kahlo, la Mexicaine. Et cette évocation a permis à des artistes-peintres, une artiste-peintre particulière, de faire une fresque aux côtés de toutes ces autres femmes qui ont marqué l'Afrique, qui ont marqué l'Algérie, et elle qui a marqué les femmes et qui a marqué par sa peinture et qui est devenue universelle, Frida Kahlo. Donc c'était ma première rencontre avec Frida Kahlo. Et je suis allée un peu de l'avant pour rencontrer cette femme qui, quelque part, m'a été... j'avais quelques ressemblances, pas ressemblances, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais j'avais à peu près les mêmes préoccupations que cette grande dame artiste-peintre de son époque. Alors, en rentrant dans cette œuvre, je découvre pas simplement une artiste-peintre, mais une femme près des femmes, donc une féministe, une femme engagée, politique. Donc, elle était engagée politiquement. Et puis, une grande femme amoureuse qui aime et qui, au nom de l'amour, a dépassé ce qui est quelque chose de tout à fait particulier à son époque. Et cet amour lui a permis de se transcender, de transcender également sa douleur. Alors, elle m'a accompagnée par sa douleur, parce que je vais revenir un petit peu de ces événements importants de la vie de Frida Kahlo. Elle m'a accompagnée aussi pour surmonter, pour transcender un petit peu la douleur que j'avais en sachant le départ de ma mère. Le troisième point également va arriver à un moment où on a décidé pour nous du confinement, un événement inattendu, un événement mondial qui frappe l'humanité tout entière, celle du Covid-19. Et donc ce Covid-19 m'a permis de comprendre encore plus, à travers Frida Kahlo, j'ai compris encore plus ce que c'est qu'être confiné. Quoique les concepts ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, la solitude dans laquelle Frida Kahlo a vécu pendant toute sa vie, engoncée dans un sarcophage de corset pour rester vivante et pour rester en vie, m'a fait comprendre ce que c'est que le confinement. Parce que le confinement, je me suis retrouvée seule, coupée de toute de ma famille, coupée où chacun était obligé d'être avec lui-même, d'être face à lui-même, enfermé par cet événement du Covid. Et donc ça a été un événement important qui m'a permis encore plus de rentrer dans l'histoire de Frida Kahlo. Alors, Frida Kahlo est née d'une famille
multiculturelle, d'un papa que l'on peut voir là-bas, d'origine hongro-allemande, qui est arrivé au Mexique en 1872, et qui, plutôt en 1891, et qui, est, et qui a fait du Mexique son pays d'adoption. Donc déjà, Frida Kahlo va être le produit, pas d'une culture uniquement mexicaine, mais il va y avoir une empreinte hongro-allemande. Son père, avec lequel elle avait une affinité tout à fait particulière, parce qu'il était très proche d'elle, et ce père aimant, ce père lui a appris énormément de choses. Il était le photographe officiel des monuments historiques précolombiens, colombiens, du Mexique. Et donc, par cette ouverture de ce papa, Frida a été énormément imprégnée de cette, d'une grande culture. La maman de Frida, c'est une maman épuisée par les grossesses, par toutes ces arrivées d'enfants. Mais Frida Kahlo n'a pas été l'enfant aimé de sa, qu'elle aurait aimé de sa maman, même si cette maman l'a beaucoup aimée, parce que en quatrième position, Frida arrive en quatrième position d'une fratrie, mais cette position, elle n'était pas attendue de toutes les façons. C'était un garçon qui était attendu. Et donc, la maman va la confier pour son éducation et pour sa vie à une indienne, à une nourrice indienne. Et donc, je dirais quand même, je reviendrai un peu sur l'origine, parce que ça va être ça, les identités de Frida Kahlo, c'est ses identités, l'identité de sa mère. Sa mère est aussi un hybride d'espagnol. Elle est la fille issue de généraux espagnols et d'une maman indienne des hauts plateaux du Mexique. Donc Frida Kahlo va être l'issue de toutes ces identités. Elle va être consciente dès le départ de toutes ces identités qui font d'elle ce qu'elle était. Un des événements le plus important, c'est que de cette vie de douleur et de de malheur qui lui arrive, c'est qu'à 6 ans également, Frida, on découvre qu'elle est atteinte de la poliomyélite et qu'elle va avoir un problème au niveau de la croissance d'une de ses jambes. Et donc, Frida Kahlo va souffrir de cet handicap. Et les enfants, comme on le sait, sont impitoyables envers les autres enfants. On l'appelait Frida la boiteuse. Boiteuse, très jeune, Frida a décidé d'adopter une personnalité tout à fait propre à elle. Elle va s'habiller entièrement en garçon, tout le temps en garçon, avec des cheveux très courts. Donc c'est une nouvelle identité qui va commencer pour Frida. Habillée en garçon, cheveux très courts, en essayant d'avoir une compensation au niveau de son pied, qui va la poursuivre toute sa vie. Et une fille très, très éveillée, très perturbée, et très, très, très alerte et très intelligente. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'elle va acquérir grâce à son père. Son père a été très présent. En plus de ce qu'elle avait comme maladie, elle, son père avait aussi un problème de santé. Donc, elle a vécu un papa handicapé. Il était épileptique. Donc, il y avait des crises régulières. Et Frida a vécu aussi cette souffrance de son père, dont elle va se rendre compte qu'elle-même va souffrir de cet handicap. En tout cas, ça va la forger. Elle va être très
son père va lui apprendre son métier à lui, qui était, il était photographe, il était aquarelliste, donc très près de l'art, des arts, dans un Mexique joyeux, dans un Mexique qui ne connaît pas encore la révolution. Et donc, c'est en 1910 que la révolution mexicaine va éclater, et c'est à ce moment-là aussi que Frida va s'approprier de la révolution mexicaine, qui est une révolution qui va bouleverser le Mexique, et on la connaît par Zapata, Emilio Zapata et Pancho Villa. Donc ce sont les deux personnalités importantes qui vont la poursuivre, parce que Frida va devenir une révolutionnaire qui est très attachée à sa mexicanité, à la mexicanidad. Et donc, à chaque fois qu'elle se présente, elle dit « Je suis née en 1910 », faisant référence à cette date mémorable pour les Mexicains. En tout cas, le Mexique va s'ouvrir au monde. Je dirais quand même un peu plus sur le Mexique, qui est déjà un pays d'accueil, c'est un pays de migrants, la preuve, le papa de Frida est un Hongro-Allemand qui a fui, je suppose, la guerre, la Première Guerre mondiale, pour ne pas être pour ne pas participer à la guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, ses parents ont dû le faire évacuer vers le Mexique. Donc c'est un pays d'accueil, c'est un pays très très ouvert, qui n'a aucun complexe par rapport à sa multiculture, à sa diversité culturelle. Et Frida va baigner dans cette famille bourgeoise, petite bourgeoisie, grâce à son père. Il va construire une maison qui s'appellera plus tard la Casa Azul, et dans laquelle Frida va vivre une partie heureuse, juste au moment de la Révolution, où bien sûr son père n'est plus le personnage important, mais il va être un peu dégradé par rapport à sa situation d'avant la Révolution. Mais la situation la plus importante qui va être décisive dans sa vie, c'est son accident du 17 septembre 1925. C'est un accident très douloureux, c'est un accident difficile qui va la poursuivre toute sa vie et qui va à la fin l'emporter également. Alors, cet accident, comment est-ce qu'il va révéler Frida, l'artiste peintre? Elle a déjà une culture importante et une culture par rapport à tous les acquis qu'elle a eus par rapport à son père et à son vécu au niveau de sa jeunesse et de son adolescence. Frida devait en premier lieu, elle était préparée pour une grande école, la Preparatoria. Cette grande école, qui est une école des plus importantes du Mexique, et je pense que les personnalités ici, notre ambassadeur du Mexique et Diego ont sûrement fait cette grande école qui prépare à des avenirs certains pour les élèves, pour ses élèves. Dans cette école-là, elle se distingue. Elle va se distinguer également par son handicap, pas simplement ça, mais elle va se distinguer par sa vivacité. Elle va créer un groupe. Elle sera dans un groupe qu'on va appeler le groupe des cachuchas. Donc, c'est las cachuchas, c'est les étudiants petits jeunes avec des casquettes qui vont faire des bêtises, qui vont faire la contradiction avec leur professeur, mais qui sont très éveillés en même temps politiquement et très éveillés culturellement. Donc dans ce groupe-là, ça va être aussi une première rencontre avec Alejandro, donc son premier amour avec lequel elle va évoluer dans cette école-là. Elle était prévue pour faire médecine, pour devenir médecin. Mais ce jour du 17 septembre 1925 va basculer sa vie en autre chose. Donc, elle va abandonner sa médecine
pour faire, pour ne sachant pas ce qu'elle allait faire, parce qu'elle va être dans un hôpital. Elle va vivre dans un hôpital. La première des choses qu'elle va demander à ses parents, c'est de lui ramener des crayons et du papier pour dessiner. Elle avait envie de dessiner. Ça va être sa première rencontre avec elle-même. Alors, pour pouvoir dessiner, comme elle était allongée, donc moi je parle toujours de cet artiste peintre allongé, les premiers dessins de Frida Kahlo, ici on ne peut pas les évoquer parce qu'on n'en a pas de... On n'a pas cette évocation ici, mais on a les doubles. Pourquoi est-ce que Frida Kahlo se représentait à chaque fois avec elle-même ses portraits réguliers? Elles sont dues en fait au fait que quand elle était à l'hôpital, allongée, elle va demander bien sûr du papier à dessin à son papa, et à sa maman, elle va lui confectionner un chevalet complètement particulier. Un chevalet qui va être suspendu à son lit et dans lequel il y a un miroir. Et Frida, elle dit, elle n'avait pour celle, elle était dans une solitude importante, et donc elle va être avec elle-même. Et ce miroir-là va lui permettre de se prendre, de se photographier elle-même, de se peindre elle-même. D'où l'originalité. Cette originalité, d'ailleurs, dans la peinture de Frida, on a toujours dit que Frida est une narcissique. Elle passe son temps à se peindre elle-même. Eh bien non, c'est une situation qui est due au fait qu'elle était allongée et qu'elle passait, elle a dit elle-même, elle n'avait d'autres modèles que elle-même dans cette solitude. Et donc ce miroir-là lui permettait de se retrouver avec elle-même. Et donc elle a peint énormément de tableaux d'elle-même. On compte à peu près dans ses œuvres une presque 200 œuvres dans lesquelles on a 80 autoportraits de Frida. Alors, donc c'est comme ça que Frida a commencé à peindre. Donc l'handicap a révélé sa peinture, a fait une révélation de ce qu'elle était capable de peindre. Elle ne peignait que, c'était aussi la situation du chevalet et du miroir porté sur elle, de petites dimensions. Donc ce sont des portraits de petites dimensions, et ces dimensions, c'est ce qu'on appelle les ex-voto. Ce sont des petits portraits qu'on ramène dans des églises pour évoquer le malheur de quelqu'un, pour le sauver ou pour faire des évocations. Et donc, c'est également une inspiration de Frida, de sa culture religieuse. Frida est née d'un père juif, d'une maman très conservatrice, très religieuse, et donc elle a eu beaucoup de temps à fréquenter les églises pour pouvoir être imprégnée, elle est baptisée, et donc elle est imprégnée de ces cultures. Je pense que son père est juif, mais athée, et donc il avait une autre culture, plus ce qu'elle va apprendre au niveau de la préparatoria et au niveau de ce qu'a été la révolution mexicaine. C'est sa rencontre avec Diego. Donc c'est aussi un événement important dans sa vie. Elle dira, j'ai eu deux accidents dans ma vie. Le premier accident du 17 septembre 1925, c'est l'accident qui va basculer sa vie à autre chose. Et le deuxième accident, c'est sa rencontre avec Diego. Comment est-ce qu'elle va rencontrer Diego? Diego est une personnalité hors pair également. C'est un grand peintre fresque, des fresques murales. C'est lui, un des fondateurs de la fresque murale. C'est aussi un communiste invétéré, donc marxiste, léniniste, donc très profondément convaincu. Et il faut dire que la période mexicaine, c'est une période aussi très imprégnée du marxisme et de la culture marxiste. Elle va rencontrer
grâce à la préparatoria et grâce à ses amis de la préparatoria qui ont été invités dans une soirée où Diego était présent. Et donc tout de suite, Frida est impressionnée de ce personnage. Et il faut le décrire, ce personnage. Diego est une personne très forte. Il fait 150 kilos. Il est impressionnant physiquement, mais également par sa peinture. Frida fait de l'ex voto des petites peintures. Diego, c'est le mural, donc ce sont des peintures assez importantes. Cette rencontre va être décisive. Donc, elle va essayer de le re-rencontrer encore une deuxième fois en lui demandant, après son accident, donc elle va se relever difficilement, mais elle va se relever et elle va essayer d'aller à la rencontre un peu plus profondément de Diego. Elle va aller dans son atelier en train de peindre et donc elle va lui demander de venir voir sa peinture chez elle. Elle l'invite à la Casa Azul, donc là où elle habite avec sa famille, et Diego, après quelques hésitations, il s'est rendu compte que c'est quelqu'un, c'est la première peinture qu'il a vue, il a pensé qu'elle a quelque chose à dire, cette personne. Et donc, il va aller régulièrement chez elle, pour aller voir un petit peu sa peinture, mais en même temps, je crois, et je pense, elle en est amoureuse et lui également est tombé amoureux. Et donc, il va l'encourager à peindre. Deux années plus tard, en 1928, ils vont décider de se marier. Ça va être quelque chose qui va frapper la famille parce que la famille va dire, il la dépasse de 20 ans, il avait 46 ans, elle avait 20 ans, le mariage était un peu difficile. Elle était frêle, lui était énorme. Mais elle a décidé. Et lui également avait décidé, bien que lui a une autre famille, il a déjà été marié, il a déjà des enfants. Et donc il accepte cette décision de Frida. Et donc il se marie en 1928. Et c'est à ce moment-là que son père et sa maman, qui étaient complètement opposés, son père va dire cette fameuse phrase qui va être connue de tous. C'est une union d'une colombe avec un éléphant. Comment ça va se faire, cette union importante? Union de ce gigantisme avec un personnage plus petit. C'est à ce moment-là que Frida, moi qui l'a pensée découvrir très féministe, engagée, elle va se baisser dans sa personnalité pour rester à l'ombre de Diego. Sous l'ombre de Diego, elle va évoluer, mais timidement. Mais en même temps, Diego va lui faire connaître beaucoup de monde. Donc dans leur maison, ils vont accueillir énormément de personnes. Après quelques temps de mariage, donc ils vont s'installer, ils vont accueillir, ils vont prendre la Casa Azul, comme leur maison, puisque les parents, je pense, après leur... Donc, ils vont habiter la Casa Azul. Alors, c'est des événements aussi en ce qui concerne Diego qui vont faire que Diego sera obligé de quitter le Mexique. Parce qu'il est invité aux États-Unis, mais pas simplement ça, parce qu'il y a quelques problèmes au niveau de la personnalité et du communisme. Le Mexique traque les communistes. Et Diego était un grand communiste, donc il ne pouvait pas rester longtemps au Mexique. Il a été obligé de s'exiler. Elle a peint, elle a été encouragée par Diego. Elle a fait une exposition qui a été encouragée par une photographe américaine qui voulait absolument qu'elle présente ses travaux, mais elle n'a rien vendu.
Elle a rien, elle a pensé que les Américains ne s'intéressent absolument pas à son œuvre et que c'est une œuvre qui n'est pas du tout, qui est très violente, qui est trop, qui exprime énormément Frida et sa douleur, et les Américains ne sont pas friands de ça. Donc elle était très déçue. Elle va représenter une œuvre majeure, une de ses œuvres majeures, c'est ce tableau-là, qui représente un peu les identités dont elle est fière et en même temps des identités dont elle se méfie. L'Amérique avec son industrie, avec son pouvoir industriel, économique, important, et sa luxuriante, Mexique, avec son histoire précolombienne, avec son enracinement. Mais en fait, elle se dit d'accord quand même que l'un se nourrit de l'autre. Et dans cette œuvre-là, elle met en concordance des machines industrielles avec la végétation, avec toute la représentation du Mexique, dans laquelle elle est entre les deux frontières. Donc elle est un personnage hybride, produit de ces deux possibilités culturelles, et en même temps elle revendique, puisqu'elle prend, c'est le drapeau mexicain qui doit être le plus important par rapport au drapeau américain enfumé Par contre, Diego Rivera va aimer un peu les États-Unis, et les États-Unis vont lui donner quand même pas mal d'argent. Et c'est grâce à cet argent-là que Diego Rivera va construire une œuvre d'art qui est une maison composée de deux éléments, la maison bleue pour Frida et la maison rose pour Diego. Ces deux maisons, elles sont rattachées l'une à l'autre par une passerelle pour un peu marquer l'indépendance de l'un et de l'autre. Parce qu'il faut dire que cette année-là, que pendant ces années-là d'Amérique, Diego Rivera n'a pas été très fidèle. Elle non plus ne va pas être très fidèle, mais elle, pas de la même fidélité que Frida, que Diego. Elle va apprendre à accepter cette différence et cet amour de ces deux fortes personnalités qui ne peuvent se séparer, mais qui peuvent vivre des vies complètement différentes. On la voit dans ce tableau-là, dans lequel elle a des larmes, et en même temps elle a un médaillon toujours présent. Les médaillons sont toujours présents dans l'œuvre de Frida, et ces médaillons, c'est toujours Diego qui est en elle. En fait, c'est aussi cet accident qui lui a permis de faire cette peinture-là. Alors, l'événement aussi important de Frida, qui montre aussi son engagement politique, c'est qu'elle a été, ils ont accueilli Trotsky, le grand Trotsky. Léon Trotsky n'a trouvé de refuge qu'au Mexique. Il va aussi avoir une relation avec Frida, parce que Frida, même si son amour est fixe, elle ne s'empêchera pas de vivre sa féminité. Et ça montre aussi l'indépendance avant le couple mythique de Sartre et de Simone de Beauvoir. On a Frida, Kahlo et Diego Rivera. Donc, ils sont avant-gardistes dans cette indépendance de la relation entre hommes et femmes. Il faut dire que le dernier engagement politique de Frida, elle était sur son lit de mort. Elle a accompagné une grande manifestation importante du Guatemala. Une manifestation qui s'est passée contre ce qui s'est passé au Guatemala. Les révolutionnaires ont été traqués, etc. Et donc au Mexique,
les Mexicains, les communistes, et Frida les a accompagnés, elle a accompagné cette manifestation. Donc elle ne s'empêche jamais de sortir manifester avec les communistes. C'est une identité politique qu'elle revendique jusqu'au bout. On aura quelques œuvres de Frida dans lesquelles elle va présenter Marx et Lénine, etc., et tous les personnages importants du communisme. L'événement important qui va marquer également cette peinture, c'est la maternité. La maternité dans laquelle Frida va l'exposer. Elle va sortir son ventre complètement, elle va le mettre à nu et elle va l'exposer dans cette œuvre-là qui est une œuvre très importante. Et elle sera la première, une des premières femmes artistes peintres à se mettre à nu pour montrer son corps et pour montrer cet enfant qu'elle a perdu. En fait, cette maternité, elle voulait un petit Dieguito. Elle voulait un enfant de Diego. Lui, il n'en voulait pas, mais elle en voulait. Alors, je vais quand même revenir à ce tableau de l'autoportrait qui est une œuvre majeure de Frida. J'avais dit tout à l'heure que les œuvres de Frida, c'est tous en ex-voto. Ça veut dire des dimensions très petites, appelées à être transportées très facilement. C'est la première œuvre faite par Frida qui va mesurer 1,70 m sur 1,70 m et dans laquelle elle va représenter les deux Frida. Les deux Frida, en fait, ce sont les deux personnalités de Frida ancrées dans une culture mexicaine et ancrées dans une culture occidentale. Donc, il y a la Frida mexicaine posée avec un cœur, parce que c'est toujours le cœur qui bat, c'est toujours le cœur qui est en souffrance pour Frida par rapport à toute sa vie, que ce soit une vie amoureuse ou une vie de souffrance, parce qu'elle a subi beaucoup d'opérations dans son corps. Et la Frida, ce sont deux Frida qui se soutiennent. La Frida mexicaine, c'est une Frida ancrée, c'est une Frida enracinée. Elle est dans son costume taïwanais, qui représente une identité à laquelle elle y tient. J'ouvre une toute petite parenthèse par rapport à ce costume. C'est au moment du mariage de Frida avec Diego Rivera que Frida a décidé de ne plus quitter le costume mexicain. Elle va aller le chercher dans une ville mexicaine, des hauts plateaux mexicains, et ce sont des femmes également qui s'habillaient toujours avec le même costume, chapeau et le costume mexicain. Ça me rappelle un peu les femmes des Ouled Naïl. Voilà, ça c'est une petite parenthèse et un peu un clin d'œil à ma tribu. Et donc, elle représente tout le temps l'identité mexicaine ancrée, enracinée. Le cœur est très il est intact. Et sans costume, il est, mais toujours Diego avec un médaillon qui est toujours présent. Par contre, la Frida européenne, occidentale, elle est complètement déchirée, elle est complètement déchiquetée, et puis le sang qui coule partout, son corps, mais la liaison reste importante entre les deux. Voilà, ça c'est un des tableaux les plus importants de Frida. Elle le met en dimension, en surdimensionné, parce qu'elle a pensé, après son passage aux États-Unis, elle s'est rendue compte que son œuvre, pour être vendue, il faudrait qu'elle réponde un peu plus aux normes en vigueur à l'époque. Donc, avec un dimensionnement, un sujet différent, un peu moins violent, parce qu'elle a été toujours mise dans cette... son œuvre est très violente, très difficile à regarder, très difficile à atteindre et à comprendre. Mais Frida ne pose pas ce genre de problème. Alors, Frida va retomber malade. Frida va revenir à cet accident qui va marquer sa vie.
Elle va subir encore d'autres opérations, mais cette fois-ci, ça va être fatal. Ça va être vraiment des moments très, très importants. En 1953, une de ses amies photographes, importante, de ses amies intimes également, va décider de lui rendre hommage. Ils vont lui rendre hommage d'une manière vibrante. Il va y avoir tous ses amis. Et Frida, dans son lit d'hôpital, va être transportée de l'hôpital jusqu'à cette galerie-là pour fêter la fin, sûrement, de Frida, parce que la fin, on la connaît et elle va arriver très bientôt, en 1954. Et une semaine avant sa mort, elle va quitter son portrait personnel pour se remettre dans la nature morte. Et en fait, c'est la nature morte, le mot même de morte, qui va l'interpeller. Et donc, c'est la pastèque. Et la pastèque, c'est comme un fruit national au Mexique. Il est très, très présent. Et on vient de me faire la remarque également que même les couleurs qu'elle a adoptées, ce sont des couleurs nationales. Les couleurs nationales, le vert de la pastèque, le rouge important qui est aussi le sang de Frida, les pépins, ce sont les larmes de Frida, et elle va découper ces pastèques-là en plusieurs formes. Et elle va écrire cette phrase et ce mot mémorable, « Viva la vida ». Viva la vida malgré la mort qui va survenir une semaine, quelque temps après, le 13 juillet 1954, Frida va rendre l'âme. Voilà. Donc, Frida, jusqu'au bout, va dessiner, va peindre et va rendre ce qu'elle ressent à son public. Alors aujourd'hui, et pour conclure, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient ici en Algérie ou dans le monde? Le monde entier a vite oublié Diego Rivera. On ne parle plus de Diego Rivera, on parle de Frida Kahlo. Et Frida Kahlo, on parle d'elle à tous les moments, à tous les niveaux. La psychanalyse l'a utilisée. C'est ce qu'on va appeler le processus de la catharsis. Et la catharsis, c'est comment est-ce que dans un moment très difficile, comment on va sortir ce qu'on a dans le ventre, cette peur, comment on va la faire. Et là, je reviens au confinement. C'est un moment important pour les Algériens. Dans ce moment de confinement, comment est-ce que, en regardant l'œuvre, c'est ce qui m'a accompagné, ce qui m'a permis de sauvegarder mon intégrité morale, c'est en me disant que Frida a quand même transcendé cette peur en peignant. Moi, qu'est-ce que je vais trouver en sortant de moi-même malgré le confinement? Eh bien, c'est la découverte d'Alger. En tout cas, pour l'Algérie, aujourd'hui, Frida est très importante et je suis vraiment émue, en même temps très heureuse de pouvoir présenter cette Frida que j'espère va être comprise des Algériens et que les Algériens vont essayer de la découvrir, découvrir cette grande femme qui est passée à l'universel. Elle n'est plus une artiste peintre mexicaine, mais elle appartient à l'universel.